Alors salut à tous, c'est Frédéric de la Villée en direct de Köln, hein. Köln, Cologne, hein, très connu pour sa cathédrale et puis son eau parfumée. Alors là, on vient de terminer la grande exposition du FIBO, fitness et bodybuilding, c'est la plus grande exposition au monde où tous les professionnels se rassemblent. Hein. On a vu tous les professionnels, on a eu Phil East, Kay Green, Coleman, j'en passe et des meilleurs. Hein. Même le premier créateur du Gold Gym qui s'appelle. Non, un des propriétaires. Un des propriétaires du Gold Gym qui s'appelle comment? Ed Connors. Ed Connors qui a même invité Michael Gundil chez lui en disant tu peux venir, j'ai une piscine, c'est sympa. Donc on s'est fait des amis. Par contre, on a un regret énorme. Vraiment, on est tous un peu tristes de ne pas avoir vu Olivier Laffey. C'est ça ? On n'a pas vu Olivier Laffey alors que... Olivier qui ? Olivier Laffey. Oh, j'essaie de pas rire. C'est un clown. C'est un clown qui éduque les ados et qui spécialise la diffamation sur les gens en traitant Hannibal, moi, Gundil et tous les gens qui font du street workout de drogués. Alors j'en remets encore une couche parce qu'il m'a menacé souvent. Par le biais de ses avocats. Donc bon, en vérité, on est très content de ne pas l'avoir vu, surtout que c'était un salon où il y avait tous les fabricants de machines de sport du monde qui venaient exposer leur matos. Alors il y a du progrès. Alors cette année, ce qu'on a vu d'exceptionnel, c'est qu'il y a un grand développement de tout le matériel extérieur pour faire de la musculation. Alors barres, des grands ensembles qui sont faits pour faire des tractions, pour faire des dips, pour accrocher des TRX. Donc ça se développe à fond, donc bientôt on va voir nos collectivités locales s'équiper de matos pro et tous les jeunes pourront enfin s'entraîner chez eux. Donc plus besoin de se faire chier avec deux chaises et puis une barre fixe minable qu'on met entre une porte. Les innovations font que maintenant toutes les collectivités locales, toutes les villes vont pouvoir acheter du super matos. Bon, moi c'était Fred de la Vie en direct du FIBO pour vous. Salut amis du net.